aller à la bataille contre une armée d'ex-défunts sans épée magique. L'ancienne ville de Mélomide a été détruite par des créatures connues sous le nom de Rhinotaures. Je vois. Dans ce cas, je vais t'arracher les deux yeux. Oh, oh, super. Je vais juste te donner une bonne carcasse. Thank you.
Pourquoi tu fais ça? Tiens, prends cette potion de dragon et laisse-moi tranquille. Bois lorsque tu en as besoin. Elle te donnera une armure anti-feu qui, en plus, te permet de cracher du feu. En présent, va-t'en. Voilà qui serait une formidable attraction pour touristes. Viens voir Sterngard le Tout-Puissant. Viens voir le dernier des centaures. Oh, regarde ce plouc de Daniel Fortesque, ce prétendu héros. Daniel, te voilà. Je me suis fait tant de soucis pour toi. Daniel, moi je sais que tu as le cœur d'un héros. Maintenant, il faut le montrer aux autres. Veux-tu essayer mes éclairs? J'en ai pas beaucoup, mais ils sont très puissants. Allez, vas-y. Et garde le menton bien haut. Oh, pardon Daniel. Fais bien attention à toi. Le sort du bon peuple de Gallomère dépend de toi.
Thank you.
l'heure, Daniel. J'ai peut-être quelque chose pour toi, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça te dit ? Bienvenue au château Pérégrin. À l'époque du roi Pérégrin, cet édifice majestueux abritait le trône ainsi que toute la famille royale. Aujourd'hui, il n'abrite plus que des fantômes et des souvenirs oubliés.